Bonjour. Petit après-midi Tekken. 2-0, 2-0, je tiens à s'égarer. J'ai encore perdu. Vous vous souvenez de ce jeu, les gars? Il est excellent. Worms. À ne pas faire chez vous, les gars. On va mixer pré-workout. Une. Et deux. Avec le monster. Le pré-workout commence à faire effet. J'ai le visage qui pique, mais de dingue. On est censé faire les squats aujourd'hui. Ah, oh, ça fait mal, c'est de la portée. Bon les gars, j'étais bloqué en bas à 155 kg, mais dès que Loïc m'a un petit peu aidé, un petit peu, hein. Attention, attention, putain, c'est filmé ça, c'est filmé. J'ai failli perdre un œil. Les gars, ne faites pas la même gaffe que ce type là. Donc, dès qu'il m'a aidé un tout petit peu, c'est remonté. Mais on va mettre la One Rep à 150 kg. Après une grosse séance de jambes. Bra, 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 bra. Je viens de rentrer là et je viens de voir à l'instant sur YouTube que nous avons atteint les 10 000. J'ai envie de crier de joie les gars, mais il y a toute la famille qui dort, donc on va crier demain ensemble, ça va? Bonne nuit et vite à demain pour le cri. Je viens de voir dans les commentaires, vous avez un débat sur comment on prononce le mot quick, donc le fast-food belge là. Putain, je te jure. Ah, vous me tuez trop les gars. Déjà dans une de mes anciennes vidéos, vous avez un débat sur le 90-90. Et là, c'est sur le quick bordel. Bon, pour entrer dans votre débat, je pense que quick, ça vient de l'anglais, quick. Donc, on prononce ça à l'anglaise, mais c'est bon. Nous, les francophones, on prononce ça un peu quick, quick. Quick, quickly, quick. Enfin, je sais pas. Vous dites ça comment? J'ai pas très bien compris. Quick ou... Putain. Bon, bon. Tchou! Ciao! Bonjour, la scène family. Que dire? Merci beaucoup. Du fond du cœur, franchement, les gars. Ces derniers jours, je sais pas ce qui s'est passé, mais vous étiez de plus en plus nombreux à rejoindre la Silent Family. Et franchement, que dire à part un grand merci. Et vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne, franchement les gars, ça me motive. Mais vraiment de dingue à continuer.
Et franchement, c'est un très 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 beau cadeau de votre part pour la fête des fins d'année. Donc les gars, pour les 10 000 abonnés, je vais faire une FAQ. Comment vous prononcez ça? FAQ Une Frequently Asked Questions ou foire aux questions. Donc les gars, posez-moi toutes vos questions en rapport avec le fitness, ma vie, la bouffe, je sais pas. Mais soyez le plus créatif possible, s'il vous plaît. Et je vais essayer d'y répondre pour le prochain vlog. Donc les gars, là, je viens de déposer ma sœur au casting pour une publicité. Et ça fait longtemps qu'on n'a plus fait, enfin que ma sœur n'a plus fait de casting. Avant, il faut savoir que quand on était petit, ma sœur et moi, on faisait quelques shootings pour des magasins de vêtements et tout ça. Et depuis, ben, on est devenu moche, on nous appelle plus. C'est triste. La Sun Family, quand je vous dis que j'écoute toutes sortes de musique, tout genre de musique, ça passe par le rap français, à la musique classique, à la musique électronique, la musique de manga, mais également la K-pop. Lorsque je sors une vidéo, je demande toujours à ma copine un feedback. Et l'autre jour, elle m'a dit « Ouais, c'est bien, mais putain, qu'est-ce que tu tires des sales gueules lorsque tu fais des exercices ?» Elle croit que je viens à la salle pour faire un défilé de mode. Vous savez, les sales gueules lorsque vous faites, lorsque vous chiez, comme ça, surtout pour la dernière rep. Donc pour elle, je vais essayer de faire une série sans tirer de sales gueules. La Smith Machine ne glisse pas très bien, donc on va trouver une variante pour ces exercices. Vous savez, moi comme je suis un blédard, j'aime bien trouver de nouveaux exercices, j'invente des nouveaux exercices. Hier, j'ai oublié de vous raconter les gars, mais une pote à moi était allée aux bibliothèques. Et elle m'a envoyé un snap, donc j'ouvre mon snap, je vois une vidéo et là, sur cette vidéo, je vois qu'elle est en train de filmer un gars à la bibliothèque qui est censé étudier et il regardait une de mes vidéos. Et donc elle filmait comme ça en cachette parce qu'elle avait peur de se faire attraper. Et lorsque moi j'ai vu cette vidéo, franchement les gars, je vais pas vous mentir, ça m'a fait trop plaisir. Bon, sur ce, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et n'oubliez pas, la Sun Family, de poser vos questions en commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.